Moi, je sais que j'ai fait du mal à des meufs. Ah, et au bahut, c'était un petit peu la totale, quoi. Tu vois, les mecs jouaient un peu avec, on a tous fait. Et maintenant, moi, avec mon âge, je me dis, putain, ils en ont pris plein la gueule, c'était abominable. Hop. Mais c'est vrai que les filles qu'on avait rencontrées, comme tu disais, une marque d'attention, un truc comme ça, et c'est con, on est con, quoi. Je veux dire, on se rend pas compte qu'en train de faire du mal, c'est après que tu t'en rends compte. Après, ça devait être une ambiance différente. Ah ouais, mais après, moi, attends, mais quand je vois faire, attends. Ouais, mais attends. Non, mais je sais, c'est un peu ça. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Oh non, oh, par contre, c'est insane ce qu'il est en train de me faire. Oh! J'ai réussi! Le trick shot sur la super frappe! Oh, c'est insane! Oh, c'est énorme! Ce qu'on est en train de vivre! Ce match est d'anthologie. Il a marqué dans tous les bouquins. Vous avez déjà réussi à pécho s'il y a eu un. Ah, moi j'ai jamais pécho de ma vie, je suis vierge. C'est vrai, on le sait. Et d'ailleurs, tu aimes le cul, mais tu es vierge quand même. J'aime le cul, mais j'aimerais bien le découper. Vous n'avez pas besoin de pardon, mais il est à vous si vous voulez. J'ai dit quelque chose de mauvais? Ils sont énormes, je les adore les deux ensemble, elles sont énormes ici. Entre Petra qui sait pas parler et Bernadetta qui a peur de tout, elles sont énormes. Je les adore. Vraiment, je suis grand fan des deux là. Je suis grand fan des deux. C'est énorme. Vous savez la vérité désormais. Petra? Bon sang, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Peut-être l'hélicobite, mais bon, je sais pas si... C'est rude? C'est rude. Oh, c'est rude. Donc le père de Caspar a tué le père de Petra. Mais Petra ne le savait pas. Ouh. Dur là-dessus. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre une personne. Pas aussi nulle, parce que je veux pas critiquer. On a tous notre level, tu vois, mais... D'habitude, à mon ranking, en tout cas, je tombe contre des personnes un peu plus fortes quand même, j'avoue. Alors. Ah ! Quoi ? Merde. Hop là. Oh là là, elle est pour moi. Merci pour le prime, grenouille, c'est gentil. L'entraînement, c'est bien. Tant qu'on n'est pas violé. La strangulation, ok, mais pas jusqu'à la mort. Un établissement scolaire, un centre de loisirs, ou une association, la BA. Peut-être un particulier. Alors, quoi là? Si, je suis passé sur les Ah ouais, un peu comme Jack Sparrow. Et en fait, ouais, comme Jack Sparrow, effectivement. Moi, je m'appelle Ponce Sparrow. Et en fait, j'aimerais bien tester de sauter sur celle en face de moi, mais en vrai, c'est chaud. Est-ce que tu veux que je fasse la musique de Pirates et Caraïbes pour te motiver? Ok, attends, ça me motive pas du tout là. Ok, lâchez pas le son, je vais y aller. Oh, je l'ai fait. Ok, enchaîne. Je suis le capitaine Ponce Sparrow. Ouais. C'est propre en vrai. Je suis pas d'accord pour le coup parce que par exemple j'ai été en coloc quasiment 2 ans avec une amie où on était tous les deux célibataires. Oui, mais c'est parce que toi t'es moche. Extrêmement rocheuse. Saute, je ne sauterai pas.
Ça va pas la tête. Sautez pas, monsieur, sautez pas. Mais je ne vais pas sauter. On peut peut-être discuter avant que vous vous mettiez fin à vos jours, monsieur. Non, mais tout va bien. C'est pour prendre la vue. On appelle, on appelle les pompiers. On appelle N'appelez pas. Non, c'est pour voir la vue, monsieur. C'est bon, on appelle. Le SAMU devrait arriver aussi. Si la nana, elle s'est fait berner comme ça, enfin, surtout s'il y a eu un pari sur sa gueule, c'est qu'elle est. Elle a un truc qui fait que particulièrement t'as pas envie de sortir avec elle. On genre s'étale pas sur ça. Ah, mais je suis désolé, c'est mignon presque. Si tu restes 4 ans. Un truc vraiment infâme. Ouais, mais même. Et du coup, la nana, tu vois, comme elle doit être. On doit lui témoigner très peu de marques d'affection. Quand tu en témoignes un peu, c'est horrible quand c'est faux, tu vois. Alors j'avoue que le dans sa gueule. Sûrement... Le dans sa gueule est un peu violent. Ouais. Je dirais plus peu cher. Ok. C'est beau ça. Quel enfer. J'en ai marre. Prochain challenge, là vous allez voir ce qui va se passer. La chanteuse Patricia Cass est née en France, vrai faux. Patricia Cass. Patricia Cass. Patricia Cass. On va où là en fait? Il faut aller trouver une gonzesse qui s'appelle Grace et qui nous file la quête. Une gonzesse, j'avais pas entendu ce mot depuis tellement longtemps. C'est une gonzesse. Les gonzesses, vous voulez pas nous ramener des bières? On regarde France-Brésil avec Zizou et Petit. Oh là là. Eh, ça va ou quoi les gonzesses? Les gars, tu rentres dans un bar, ça va, elles sont où les gonzesses? Appelez-moi sur le GSM. Je cherche les minettes et les gonzesses. Donc... alors ah, c'est putain pastis je t'aime avec les gonzesses quoi putain c'est déconné quoi. On est RP avec le jeu gros, le jeu il est pas en 2019 hein. Tout ça pour 5 flèches kappa. Tu me diras c'est pas plus mal. Oh, oh ce clutch. Oh ce clutch. C'est incroyable. Hop là, voilà, c'est une question de timing messieurs dames. Mais je voulais regarder Winnie l'ourson. C'était Winnie mais pas le même. Je peux vous dire qu'il enfonçait du miel hein Winnie. Oh. Le petit gros il a sorti sa grosse queue, je peux vous le oh. dire. Oh hein. Mais c'est infâme. Eh Winnie, eh Winnie. Oh l'enfer. J'ai mangé mon miel. Aïe. What? Ma vie? Monsieur, comment est-ce qu'on t'envoie les notes de la lecture? Ce sera à la fin, ce sera tout à la fin. Rivenzi, est-ce que vous pouvez lire la suite, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une... Pardon. Bah, je n'arrive pas à dormir, etc, etc. En anglais je... I can't sleep. I've been impressed to be observed. I love my mind, I think to hear a laugh. Ok, c'est propre. C'est immonde. Ok, bon bah c'est bon. Mais mec, tu te rends compte de la traduction en direct, gros, laisse-moi. Tu peux me le faire en portugais? Qui peut le faire en portugais? En fait. Ok, très lourd là. Ce qui est en train de se passer, c'est du solide là, du côté de Poncefest qui est en train de rentrer cette run parfaitement. C'est incroyable ce qu'il est en train de produire, Poncefest. Là-dessus, il va complètement passer. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Bah si ma mère a un frère qui a une sœur, ça veut dire que c'est aussi sa sœur, ça veut dire que c'est sa tante et non pas sa cousine, donc c'est faux. On regarde les résultats, tout le monde a juste. C'est la game la plus longue de l'univers. Vraiment, véritablement, je crois que j'ai jamais fait un truc aussi long. Vraiment, c'est incroyable. Je me suis mis un peu une difficulté en plus avec cette merde. Hein. Oh, il s'est fait exploser. Il s'est fait exploser par le mec énorme. Ok, ça c'est good. Quand même assez énorme ce qui s'est passé. Je sais pas si vous remarquez ce qui s'est passé, mais c'est juste gigantesque. Hein. Oh.